Roche, bienvenue à ce premier mariage musical présenté par La Noce et par Radio-Canada. C'est vraiment un bonheur d'être avec vous en cette fin d'après-midi pour vous accompagner lors de cette célébration, pour cette union quand même inspirante entre la relève et l'expérience. Je vous prie d'accorder une chaude, une chaleureuse main d'applaudissement à nos époux du jour. Alors, d'un côté, le duo originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui déploie sa pop orchestrale aux quatre coins du Québec. Et de l'autre, un brillant musicien et auteur, compositeur, interprète, tant en solo qu'avec son groupe Carquois. Bonjour, Vice-Roi. Bonjour. Bonjour, Julien Sagot. Ouf. Comment allez-vous tous les trois? On va bien? Ça roule. Hey, ça, on va parler en même temps, nous, tout le long. On va faire comme si on était une personne, OK? Comme sur l'album. Julien Sagot, ça va bien? Ça va très, très bien. On est en joie, en soleil, en force. Oui. Alors, vous êtes nos premiers. Vous serez le premier trouple officiel de la noce. Et fier de l'être. De Chypre. Oui, fier de l'être. On va parler d'amour. D'abord, de ce sentiment fort qui fait écrire de si belles chansons. Vice-Roi, dans une de vos nouveautés, vous dites « J'ai dit je t'aime, il est trop tôt. Pourquoi je l'ai dit, pomme Z? » Julien, vous avez écrit « Serre son parfum de toutes tes forces, serre-le si fort jusqu'à l'entorse. » C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'écrire avec votre cœur? Ben, nous, c'est comme le cœur, mais qui se fait mal un peu. Tu sais, on dit quelque chose, on est un peu déçu de l'avoir dit, fait qu'on veut revenir en arrière. Fait qu'on est en amour, mais finalement, un peu de déception. Julien. Moi, c'est une question d'odeur. Et ah. Une question de fluide corporel. Mais ça tombe bien, on est dans la noce de Chypre quand même, hein? On va célébrer l'odeur aussi, yes. Le parfum. Oui. Alors, c'est le moment de vous adresser à l'autre. Moment très solennel. De présenter vos vœux, souligner l'étendue de vos sentiments. Vice-Roi, Jayana Auger, Guillaume Lessard, qu'avez-vous à dire à Julien Sagot? Julien, on aimerait te dire qu'on aime beaucoup tout ce que tu dis maintenant avec ta belle voix. On a entendu tes chansons. Ça résonne en nous. Je pense qu'on est d'accord tous les deux. Je pense que ta voix est tellement belle et tellement grave qu'elle nous enterrerait aussi parce qu'il y a tellement de profondeur dans cette voix-là qu'on ne peut pas faire quelque chose avec toi maintenant. Mais un jour, peut-être qu'on pourra. J'ai dit oui, 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 oui. Mais avance, Paul. Ah, c'est pas tout de suite qu'on se marie tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il est pressé, cet époux. Julien, qu'est-ce que vous aimeriez dire à Vice-Roi? J'aimerais vous dire que c'est un message d'amour et c'est un message sous l'orchestration et sous les étoiles. Et j'espère que votre couple va durer et perdurer jusqu'à l'infini et plus loin encore. Oh, c'est beau, c'est un beau message. Buzz Lightyear, histoire de jouer. Hein? Des fois, c'est belle poésie, mais il y a un petit côté Pixar. Oui, on a le droit de citer histoire de jouer. Alors, pour célébrer ce début de votre vie à trois, place à l'échange des alliances, vraiment. Alliance musicale, on s'entend. Qu'est-ce qui pourrait naître du fruit de votre amour, disons-le comme ça? J'avoue que le côté orchestral de la musique, déjà, on est très proche du mariage, avec les trompettes et puis tout ça. Et moi, c'est l'orchestration, ça me touche énormément. J'ai passé beaucoup de jours sur une chanson orchestrale qui n'a pas porté fruit. Mais en tant qu'expérience, je suis très, très sensible à l'orchestration. Ça me replonge dans du Nancy Sinatra ou des choses comme ça. Je suis vraiment touché par votre musique. Ça me touche énormément. Puis je sais que vous êtes sensible aussi à la musique de film, à la musique d'animation. Et j'ai deux grands-enfants et ils sont très sensibles aussi à, par exemple, les films d'animation japonaises, Chihiro, Le Voyage de Chihiro, des choses comme ça. Et que ça me touche beaucoup. Ben, je te propose qu'on fasse une soirée de cinéma, en fait, ensemble. Yes. On pourrait faire ça. Sinon, je sais que tu aimes beaucoup la vidéo, les vidéoclips. On est passionnés de ça aussi. Pourquoi pas faire des vidéos ensemble? Ça serait super.
C'est super. Et puis, on prend juste notre téléphone, ça coûte moins cher. Mais c'est merveilleux. Alors, tout ceci est né voilà, à la noce en ce moment même. Merci de vous être prêté au jeu. Merci d'avoir dit oui, je le veux. Jayana, Guillaume, Julien, bonne noce. Bon été en mode festival. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Salut! Merci!